Mais ce qu'on a créé cette année, l'innovation, c'est ça, c'est OptimizeMe, qui sera lancé aujourd'hui à 14h, qui vous permet de prendre en main vous-même votre site internet. D'accord, donc on va agir. Et si vous avez des critères qui ne sont pas respectés, on va vous indiquer lesquels. Et on va vous expliquer précisément comment faire pour régler le problème, entre guillemets. D'accord. Alors. Et du coup, c'est Do it yourself. C'est du do it yourself, tout à fait. C'est l'intérêt de la chose, en fait. C'est que vraiment, on vous donne toutes les clés, les outils pour que vous puissiez faire vous-même. Alors, on a une conférence aujourd'hui à 10h45. Et c'est 6 grands j'ai conseils. Oui, j'ai voilà. Vu, j'y vais. Ah, bon, bah, super. Nous avons développé un logiciel qui s'appelle OptimizeMe. Qui a fait de nous, on va dire, une sorte aussi de start-up web, puisqu'il s'agit d'un logiciel innovant qui a pour but de permettre à n'importe qui de faire son référencement soi-même sans connaissance préalable. On parle du référencement naturel sur Google. C'est fini le temps où on calait les mots-clés de partout en se disant « bon, bah, c'est bon, j'ai bien mes bons mots-clés dans les bonnes zones ». Aujourd'hui, il faut aller au-delà. Il faut réfléchir aux mots-clés non pas uniquement sur ce que les gens vont pouvoir taper dans Google, mais sur quel est la cible et le sens de ce que je veux dire. Alors, vous sortez de la conférence de Medicoly. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence qui était sur le référencement sur Google, comment choisir une agence? En fait, je trouvais que c'était une conférence qui était très claire, très précise et en même temps très simple à comprendre, surtout pour les personnes novices. Et la présentation d'OptimizeMe était super. Moi, j'ai tout de suite adhéré. C'est vraiment super simple. Enfin, ça a l'air super simple d'utilisation. J'aimerais bien proposer cette solution à mes propres clients. Moi, je pense que c'est un logiciel intéressant et après, il faut essayer. Donc vous-même, vous allez peut-être l'essayer? Oui, je vais peut-être l'essayer, mais ça a l'air d'être simple pour les gens qui n'ont jamais fait de référencement.